Bonjour les guitaristes, alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir d'accordeur sur vous? Ou alors des fois de trouver qu'après s'être accordé avec un accordeur, eh ben nos cordes sont toujours pas justes? Oui, parce que c'est bien beau de faire confiance à la machine, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs qualités d'accordeurs. Par exemple, les petits accordeurs qu'on utilise en haut de la guitare, ils vont utiliser la vibration des cordes dans le corps, remonter jusqu'à lui, et c'est comme ça qu'il va nous donner l'accordage précis. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec beaucoup de sons à côté, des enceintes qui font beaucoup de basses, et ces basses, elles vont passer dans la guitare, et elles vont fausser les mesures de l'accordeur. Ça peut arriver, notamment en concert par exemple. C'est pour ça qu'en concert, on utilise plutôt des pédales d'accordage. En attendant, il existe plein de qualités d'accordeurs, et puis des fois, on en a carrément pas. Donc comment faire pour accorder sa guitare à l'oreille? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. C'est parti! Donc là, ma guitare est accordée. Ça fait un joli accord de mi. Bon, alors maintenant, on va tout accorder. Ah, là, c'est beau, hein. Donc il faut commencer par accorder la toute première corde. Et moi, je vous conseille de commencer par la grosse corde de mi, parce que c'est celle qui est la plus chargée en harmonique, donc qui vous donnera un résultat plus précis pour toutes les autres cordes. Et là, pour accorder la corde de mi, on a deux solutions. La première, c'est arriver à se souvenir du son que fait la corde de mi en règle générale. Le problème, c'est que si on sait pas exactement, on essaye de s'en rapprocher un maximum, mais de toute façon, toutes les autres cordes après vont être accordées en fonction. Donc, même si elle est pas tout à fait juste, l'ensemble des cordes entre elles après sera juste. Après, on peut vérifier en utilisant une musique qu'on connaît et qui va nous donner cette référence du mi précisément. Cette musique qui est très simple, c'est Nothing Else Matters de Metallica. Donc si je la lance... Ah, et là vous voyez que ma corde de mi, en fait, elle est plus basse que la version de Metallica. Ça serait plus comme ça. On recommence. Là, on est pas mal. Maintenant, une fois qu'on a trouvé notre corde de mi, on va pouvoir accorder toutes nos cordes en fonction de celle-là. Donc là, on a deux solutions. La première, c'est de trouver le nom de la corde qu'on veut accorder, par exemple corde de la, corde de ré, et de trouver son équivalent sur la corde qui se trouve juste en dessous, donc dans les cordes plus graves. Donc par exemple, la corde de la qui est là, bon, eh bien, sur la corde de mi, pour avoir un la, comme sur la corde de la à vide, eh bien, on va devoir jouer la case numéro 5. Et vous voyez, là, entre les deux, on sent que c'est faux. D'ailleurs, si on met un son en distorsion, on peut se rendre compte qu'il y a comme un battement qui fait... Voilà, là vraiment, on se rend compte qu'il y a un problème entre deux fréquences qui sont jouées pile poil en même temps. Bon, le battement, ça c'est de la physique, je vais pas vous l'expliquer. En attendant, vous, avec votre oreille, vous arrivez quand même à savoir que c'est pas totalement juste. Donc, comme notre corde de mi est accordée, eh ben, on va monter progressivement la corde de la jusqu'à ce que la corde de la à vide, jouée simultanément avec la case numéro 5 sur la corde de mi, ça sonne harmonieux. Voilà, là on est pas mal. Et on fait ça maintenant pour toutes les autres cordes. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'on se rend compte que, presque tout le temps, c'est la case numéro 5 qui va permettre de trouver la corde suivante. Donc par exemple, la case numéro 5 sur la corde de La, ça fait un Ré, comme la corde à vide suivante. Oula! Très bien. Là maintenant, on peut aussi vérifier sur la case numéro 2 de la corde de Ré, un Mi, si c'est à peu près la même note que son octave avec la grosse corde de Mi. Alors moi je l'écoute un peu, je peux le remonter un tout petit peu encore. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, là un petit power chord de Mi, ça sonne bien. On continue, donc corde de Ré en case 5 pour trouver la corde de Sol. Ouais, pourquoi pas. Et alors maintenant, c'est là qu'est la petite exception, c'est que pour passer de la corde de Sol à la corde de Si, eh bien, ça sera plus de la jouer en case 5, la corde de Sol, mais en case numéro 4. Donc pas ici, parce que sinon ça ferait... Non, ça va pas. C'est en case numéro 4. Bon, là, on sent un petit peu le battement quand même. On sent qu'il y a un truc qui est pas agréable à l'oreille, mais c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, plus le battement est élevé, plus ça veut dire qu'on se rapproche de la note et que les fréquences sont très proches. Fausses, mais très proches. Donc là, j'accorde.
Et voilà, et quand on joue les deux cordes en même temps, c'est sympa. Pas de problème. Et enfin la corde de Mi, donc là on revient sur la même chose qu'au début, c'est la case numéro 5 sur la corde de Si. Oh, bah elle est juste celle-là. Et donc maintenant pour vérifier, rien de tel que de jouer un bon accord complet de Mi majeur par exemple, et de voir ce que ça fait. Eh ben, c'est relativement propre quand même. Peut-être qu'il y a encore 2-3 trucs à peaufiner si on avait un accordeur, mais déjà, ça peut vraiment vous sauver la mise, vraiment. Parfait. Maintenant, on reprend depuis le début. Voilà, là on repart sur une guitare totalement fausse, et je vous explique la deuxième façon pour arriver à être encore plus précis, éventuellement, si vous voulez accorder votre guitare à l'oreille. Donc là, de la même façon, on repart avec notre corde de Mi, comme tout à l'heure. Bon, je l'ai accordé correctement avec Metallica, comme tout à l'heure. Voilà, on est pas mal. Et maintenant, on va utiliser plutôt des harmoniques, plutôt que d'utiliser des cases. Alors les harmoniques, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut savoir que quand on écoute une note fondamentale, par exemple un Do, un Fa, ce qu'on veut comme note, en fonction de l'instrument sur lequel on va la jouer cette note, forcément le son sera différent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qualifie le terme de timbre entre une trompette, un piano, une flûte, un violon, etc. Mais alors à quel niveau ça change exactement pour qu'on puisse écouter un son plutôt qu'un autre? Eh bien tout est une question d'harmonique. Si vous voulez, vous avez une fréquence fondamentale, par exemple 440 Hz pour le La 3, et après en fonction de l'instrument que vous avez, si vous analysez ça avec un spectre audio, vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas toutes les mêmes fréquences derrière. Et toutes ces petites fréquences qui vont traîner derrière avec des intensités différentes, c'est ça qu'on appelle des harmoniques. Alors en quoi nous ça nous concerne? Là c'était purement de la physique, mais nous en quoi ça nous concerne pour accorder notre guitare? Eh bien il faut savoir que sur une guitare, on peut jouer une corde de Mi par exemple, mais on peut jouer d'autres notes à partir de cette corde à vide. Par exemple celle-là. Là, j'ai joué une harmonique à l'octave de Mi. Mais j'ai pas posé mon doigt sur la case numéro 12, j'ai juste mis au-dessus de la frette et j'ai résonné. La case numéro 12, ça donnerait ça. Vous voyez, c'est pas le même son. Là, on a gardé que l'harmonique de la case numéro 12. Et après, des harmoniques sur une note, en fonction aussi de l'instrument qu'on a, on peut en faire une multitude. Et sur la guitare, je vais pas rentrer dans le sujet dans cette vidéo, par exemple pour parler des harmoniques artificielles, parce que là ça serait hors sujet et un petit peu long. Mais déjà, on peut réussir à construire quelques harmoniques naturelles, comme on les appelle. Donc par exemple, la case numéro 12, la case numéro 7, et la case numéro 5. Mais plus on va sur les grosses cases sur le manche, à partir du point de départ de la case numéro 12, plus ça va être compliqué de faire sonner ces harmoniques. Parce que si vous voulez une explication, la corde de Mi par exemple, sa note fondamentale c'est le Mi, on va trouver un petit peu d'harmonique comme ça, un peu moins d'harmonique ici, et un peu moins d'harmonique ici, du moins sur ces notes-là. Vous voyez bien que là on écoute un Mi, là on écoute encore un Mi, là on écoute un Mi, mais il ne reste plus grand-chose à cette fréquence-là, et on a une quinte ici, un Si justement, là, non, Si, là. Donc vous voyez, plus on va monter dans les fréquences et moins il en restera. En attendant, nous, les harmoniques qui vont nous intéresser, ça va être justement les harmoniques en case 5 et en case 7. Pourquoi celle-là? Et bien parce que c'est super en fait, parce que si on effleure la corde au-dessus de la frette numéro 5 d'une corde, ça correspond à effleurer la corde suivante au-dessus de la frette numéro 7. Alors, quand c'est accordé. Et là, on se rend compte que c'est très faux. Et ça correspond exactement à la même note. Donc là, ça va être encore plus précis parce que les harmoniques, c'est encore plus tranchant que les notes fondamentales. Faut être encore plus précis pour arriver à supprimer le battement. Donc, c'est une très bonne méthode. Voilà, là on est pas mal. Et on va faire ça, comme pour la première méthode, pour toutes les cordes. Donc, frette numéro 5 sur la corde de La, pour trouver la frette numéro 7 sur la corde de Ré. Alors forcément, la frette numéro 5, elle sonne moins que la frette numéro 7, comme je vous ai dit, parce qu'il y a moins de quantité d'harmonique à ce niveau-là. Mais c'est en mettant de la distorsion que vous arriverez vraiment à en tirer parti, et en plus vous vous rendrez davantage compte du battement en distorsion plutôt qu'avec un son clean. Voilà, on est pas mal. On peut vérifier encore à ce niveau-là si on est bon en faisant un petit power chord. 0-2-2, ce qui est le début de l'accord de Mi majeur ou de Mi mineur d'ailleurs. Ça sonne bien, au
très très bien. On continue, donc corde de ré vers la corde de sol. C'est pas mal. Maintenant, là par contre, pour la corde de si, ben ça fonctionne pas. Même si c'est faux, il y a quand même un demi-ton de différence. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la première méthode juste pour cette corde-là, c'est appuyer sur la case numéro 4 de la corde de sol. Agréable. Pas mal. Et enfin, pour la dernière corde, eh ben, on refait la même chose. Mais le problème, c'est que ben, on n'y écoute peut-être pas forcément, parce que là, comme c'est déjà des plus petites cordes, donc des cordes plus aiguës, ben, c'est déjà beaucoup moins chargé en harmonique, donc encore plus compliqué de les faire sonner en case numéro 5 et en case numéro 7. Donc là, vous pouvez essayer de l'accorder comme ça. Mais bon, pour être plus précis, vérifiez avec la première méthode, avec la case numéro 5 sur la corde de si. Voilà, un petit battement quand même. Ouais, pourquoi pas. Donc maintenant, on vérifie de la même façon en jouant un bel accord de mi majeur. Il peut y avoir encore une légère amélioration, faudrait refaire le tour un petit peu, mais déjà, c'est assez propre. On pourrait faire, je pense, un petit peu mieux, je sais pas à quel niveau exactement, on pourrait rechercher un petit peu. Mais déjà, ça vous donne un bon dégrossissement pour arriver à accorder votre guitare à l'oreille sans utiliser de machine. Mais bien entendu, c'est à force de faire et de faire que notre oreille finit à s'habituer et à travailler justement la justesse entre les différentes cordes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous rencontrez des difficultés pour accorder votre guitare, que ce soit avec ou sans accordeur, à me mettre un petit j'aime, à vous abonner avec la petite cloche, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les icônes.